Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo organisation. Ça m'a été demandé. Vous savez que j'ai, ou pas d'ailleurs, pour celles qui me suivent ou pas, j'ai ces dernières semaines réorganisé tout mon bureau. J'ai enfin trouvé sur le bon coin les meubles qui me manquaient pour terminer l'organisation. Donc, ça fait un petit moment, hein, que j'aménage mon bureau. Fonction des besoins, eh bien, on se rend compte qu'on évolue en matière de rangement. Donc, heureusement, moi, j'avais jamais terminé l'organisation intégrale, enfin en tout cas l'aménagement intégral de mon bureau. Donc ça m'a permis au fil du temps de vraiment de me pencher sur ce que je souhaitais, ce qu'il me fallait, etc. Et donc voilà, cette fois ça y est, il est entièrement aménagé, de briques et de broc, hein, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément de la même teinte, puisque j'ai mes armoires anciennes qui sont également dans cet atelier. Mais en attendant, j'ai pu sur le bon coin trouver tous les meubles qui me manquaient, que je n'avais pas, et donc de pouvoir enfin finaliser ce rangement. Donc aujourd'hui on est le jeudi 19 mars. 18 mars d'ailleurs même, et donc mon bureau est cette fois rangé. Alors il est rangé déjà depuis une petite semaine, mais bon, bah, il y a quand même toujours des choses à faire, et puis j'étais très occupée par ailleurs, donc j'ai pas vraiment eu le temps de vraiment eh bien scraper ces derniers jours. Mais aujourd'hui voilà, j'ai un petit peu de temps, donc je vais vous montrer la vidéo donc organisation qui m'était demandée pour le rangement de mes die cuts. Vous savez que j'avais deux vraiment choses très importantes qui me tenaient à cœur dans ce rangement. Donc c'était réorganisé, mais mon atelier était relativement rangé. Il y avait deux points noirs qui étaient vraiment importants. Le premier, c'était eh bien d'utiliser tout ce que j'avais en attente. Je vais vous montrer parce qu'il me reste encore. Voilà. Et j'en ai encore un petit peu dans mon placard, mais j'ai déjà bien avancé. J'avais des choses que j'avais commencé, pas terminées. Voilà, par exemple, ceci qui est un junk que j'avais commencé, mais il me reste juste à faire les coutures. Enfin voilà, j'ai deux, trois bricoles à l'intérieur qu'il faut que je finisse. Donc là-dessus, j'ai un petit peu avancé. Et puis surtout, la chose la plus importante, c'était le rangement de tout ce qui était découpe et die-cut. J'en avais partout. Alors quand je dis partout, c'est pas tout à fait ça, mais j'essayais vraiment plusieurs méthodes de rangement et rien ne me convenait. Et j'ai fini par les laisser dans des boîtes. Enfin, il y en avait un petit peu partout. Je ne les utilisais pas parce qu'à chaque fois que je voulais regarder dans cette boîte, je mettais 2 heures à chercher, à fouiller et tout. Et c'était plus un stress qu'autre chose. Donc là, je me suis dit, ça, c'est un point important. Et une fois que tu auras rangé ça, tu seras tranquille. J'ai donc regardé, puisque je vous dis, j'avais essayé plusieurs méthodes qui ne me convenaient pas. J'ai donc regardé eh bien, ce que je pouvais trouver donc sur YouTube concernant le rangement donc de ces découpes. Et je suis tombée sur une vidéo de Vouchka. Alors Vouchka, je la regarde de temps en temps, j'avais pas dû tomber sur cette vidéo. Et voilà, ce qu'elle a proposé, donc elle a proposé 5 solutions. Les 4 premières qu'elle a proposées, je les avais déjà utilisées, donc dans des pochettes ou dans des petites pochettes à soufflet, vous savez, qui soufflent, qui sont absolument pas pratiques. Enfin, ça, je les utilise pour mes chutes, mais pour ça, je trouvais que c'était pas pratique parce que c'est en plastique, c'est rigide. Quand vous ouvrez, eh bien, enfin, vous pouvez pas vraiment fouiller dedans, donc voilà, ça c'était pas non plus une méthode géniale. J'ai laissé donc dans des boîtes, mais par paresse, parce que ça me stressait de ranger tout ça. Enfin bref, voilà, plusieurs méthodes qui ne m'ont pas convenu. Et puis elle en a proposé une cinquième, et là je me suis dit, mais Géraldine, mais pourquoi t'as pas réagi avant? J'avais déjà vu, alors pas dans le même contexte que Vouchka, mais en tout cas des idées de chaînes américaines. Donc je suis quelques chaînes américaines, alors pas toujours parce que j'ai pas un niveau d'anglais qui est super bien élevé, donc parfois ça me fait mal à la tête. Je plaisante. Non mais voilà, bon bref, j'ai quelques filles que je suis sur certaines choses, et plusieurs avaient fait ce genre de rangement déjà. Et parfois on regarde une vidéo puis on oublie, hein. C'est vrai que voilà, on peut pas toujours penser à tout, on a beaucoup d'activités annexes, donc voilà. Donc j'avais oublié cette idée de rangement, et quand Vouchka a présenté son rangement, et là je me suis dit, mais Géraldine, c'est ça qu'il te faut, ça c'est sûr. Déjà à l'époque tu avais bien apprécié quand ces Américaines avaient fait les tutos d'ailleurs, parce qu'elles faisaient des tutos, et franchement c'est vraiment ça qu'il te faut. Donc je ne voulais pas, et je n'avais matériellement pas le temps de refaire une structure. Donc Vouchka, elle a commandé sur internet, à Amazon je crois, des livres pour collection de timbres. Donc qu'est-ce qu'un livre pour collection de timbres? Eh bien c'est simple, c'est un livre avec des pages, et sur ces pages on a des
petite bande transverse, donc de plastique transparent, plastique, calque, peu importe, dans lequel vous rangez vos timbres. Donc vous avez la vision de vos timbres, donc c'est pas très grand hein, pour les timbres, puisqu'un timbre n'est pas grand. Ça vous permet de glisser votre timbre, d'une part il ne s'en va pas, et puis votre collection, comment dirais-je, côté visuel, vous voyez vraiment tout ce que vous avez. Et donc, Vushka a utilisé ça pour ranger ses die-cuts. Et là, je me suis dit, voilà, c'est ça qu'il te faut. Alors, un classeur à timbre, ça vaut une quinzaine d'euros. Moi, je voulais absolument pas mettre 15 euros dans un truc à timbre. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire toi-même. Entre-temps, j'avais vu une vidéo de Camille Scrap, que je regarde aussi de temps en temps, qui, elle, l'avait fait dans un album donc, de chez Action. Qui est l'équivalent de ça. Moi, je n'ai pas voulu le faire, pourtant j'en ai un, parce que je l'avais déjà utilisé pour un December Daily. Et déjà, ce qui m'avait embêté à l'époque, c'était ce... On a juste une petite spirale. Donc automatiquement, si, dès l'instant où il aurait été plein, j'aurais eu un décalage monstrueux ici. Et franchement, c'est pas ce que je voulais. Même si vous allez voir que c'est ce qui se passe un petit peu avec ce que j'ai fait. Mais voilà, donc celui-là, je ne le voulais pas déjà d'entrée de jeu. Pourtant, je l'avais, donc je l'ai éliminé. Et en cherchant un petit peu dans ce que j'avais, eh bien, j'ai trouvé ceci. J'avais acheté ça pour un autre projet que je n'ai pas fait, bien évidemment. Donc finalement, bah, c'était bien que je n'ai pas fait ce projet, parce que du coup, il m'a servi pour ça. Alors, ce sont des albums photos, vous aurez deviné d'où, bien sûr. Albums photos, franchement, ils sont super. Je vous montre à l'intérieur comment ils sont faits. Donc, eh bien, ce sont tout simplement des pages blanches. Mais on a une reliure ici. Qui est quand même très intéressante parce que ça permet déjà l'ouverture complète des pages et en même temps on a assez de volume. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà prévu une tranche assez épaisse ici pour compenser ce que vous mettrez, enfin en tout cas les photos que vous mettrez dedans. Bon, moi je vous cache pas que j'ai optimisé au maximum. C'était pas forcément intelligent. J'aurais dû peut-être déjà préparer toutes les pages avant de commencer à ranger, mais moi j'en ai préparé que quelques-unes. J'ai commencé à ranger, bien sûr, je me suis rendu compte que j'avais pas assez de place, donc au fur et à mesure. J'ai rempli, enfin j'ai collé mes bandes donc sur ces feuilles blanches, mais j'aurais peut-être dû procéder différemment. Cela étant, voilà, il sera toujours temps d'y revenir. Alors pourquoi j'aimais bien cet album? Parce que en fait il y a une page, voilà, pour couvrir en fait, pour protéger normalement les photos. Et ça du coup, ça vous permet de vraiment de bien protéger ce que vous allez mettre à l'intérieur. Donc voilà. Vraiment, j'ai trouvé que ça, c'était la solution donc, qui me convenait. Et du coup, voici ce que ça donne. Donc, ça me permet donc de ranger. Donc, celui-ci, c'est pour que je vais y arriver, 1, 2, 3, 4, 5. C'est uniquement pour les découpes. Donc, tout ce qui est die cut, pardon. Notamment, alors là, vous voyez ceux qui m'ont été offerts par Audrey. Ça me permet comme ça de ranger. Et puis, de pouvoir noter. Je ne vais pas vous montrer, mais j'ai une petite note ici, voilà, de la personne qui me les a offertes. Et comme ça, lorsque je les utiliserai, eh bien, je pourrais me dire, bah tiens, ça, c'est Audrey. Tiens, ça, c'est Nat. Tiens, ça, c'est Nathalie. Tiens, ça, c'est, voilà. Et pouvoir eh bien, rendre hommage au petit cadeau que j'ai reçu, parce que ça fait vraiment toujours plaisir de recevoir des choses. Donc je trouve que c'est bien aussi de, voilà, de temps en temps de remercier par une petite citation donc les personnes qui vous ont offert tout ça. Donc c'est rangé, alors vous voyez, c'est optimisé, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'épaisseur. J'aurais peut-être dû, par exemple pour Audrey, faire deux pages. Je ne dis pas que je ne referais pas ça autrement, mais là, je voulais à tout prix ranger. Après, je verrai éventuellement une autre organisation si toutefois je trouve que c'est trop épais. Mais voilà, en tout cas, donc voici pour mes die-cuts. Là, par exemple, on a Karine. Là, on a des die-cuts qui sont classiques, mélangés. Donc, il n'y a vraiment aucun thème. Hein. Je n'ai pas du tout classé par thème. Je ne me suis pas pris la tête avec ça. Mon but, dans un premier temps, c'était de les classer et qu'ils soient visibles. C'est chose faite. Peut-être qu'un jour, je reprendrai l'ensemble et je les classerai par thème. Mais là, franchement, non, c'était pas du tout l'objectif. Là, c'est Nat, mon ami Nat de Reims, voilà, qui m'a offert tout ça. Ça, ce sont des restes de collection de 3D, par exemple. Enfin, je ne vais pas vous faire le détail intégralement, mais vous aurez compris un petit peu l'objectif. Donc, j'ai fait des grands, enfin des moyens. J'ai fait des tout petits, fonction de ce que j'avais arrangé. Là, par exemple, ce sont des petites découpes. Parfois que je récupère dans des blocs 3D, actions, enfin bref, il y a tout un tas de choses, on s'en fout de d'où ça vient. Mais voilà comment j'ai rangé. Donc vous voyez ici, j'ai plusieurs roses pareilles, donc je les ai toutes mis
ensemble. C'était pas forcément bien. J'aurais peut-être dû faire une rangée pour celle-ci, une rangée pour les autres et tout. Ça aurait évité donc cette épaisseur. Et voilà, globalement, cette épaisseur ici. Bon, moi, ça me convient pour l'instant. Donc, je pense que je vais rester comme ça. Donc, voici les grands. Ici, donc voilà, ici par exemple, j'ai un grand, j'ai des moyens et j'ai un petit. Donc après, vous faites fonction de ce qui vous arrange. Moi, j'ai pas vraiment pris des dimensions. J'ai fait, enfin, j'ai pris quelques dimensions, mais j'ai vraiment fait comme ça m'arrangeait et fonction des die cuts que j'avais. Donc ça, c'est pour les die cuts ici. Et ensuite, on va passer aux découpes. Alors ça, les découpes, c'était vraiment pareil, ce qui me prenait plus le chou. Donc, vous voyez, là, celui-là, il est très épais. Il va quand même falloir que je range un petit peu mieux que ça. C'est pareil, c'est absolument pas classé par thème. Donc, ça, c'est le papier calque que j'ai d'avance pour quand j'aurai des rangements. Comme ça, j'en ai déjà découpé. Donc, vous voyez, j'ai plusieurs tailles de découpe. Et donc, voici à l'intérieur. Donc là encore, absolument pas rangé par thème. J'ai rangé comme ça me venait, des grands, des petits. Il y en a partout. J'ai fait beaucoup d'épaisseur, comme vous pourrez le voir. Mais bon, après, peu importe, c'est pas important. Là, quand c'est tout bien rangé, eh bien, ce sont mes amis qui m'ont envoyé ça. Alors, je vais cacher par contre, parce qu'il y a le nom. Là, par exemple, c'est Nathalie, donc de Charente, qui m'a envoyé tout ça. Pourquoi je note? Parce que j'ai peur de ne pas me souvenir. Voilà, pour l'instant, j'ai pas reçu beaucoup, 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 beaucoup de choses. Donc, je m'en souviens bien sûr encore. Mais plus tard, j'ai peur que si un jour vous êtes plusieurs à m'envoyer des choses, je ne sache plus. Là, par exemple, c'est Stéphanie de Normandie. J'ai aussi des choses de Karine. J'ai aussi des choses de Nat. Enfin, bon, vous l'aurez compris, ça me permet là de ranger les grandes choses. Donc, voilà pour mes petits rangements. Là, par exemple, c'est Karine aussi. Donc, voici pour mes petits rangements. C'est vraiment l'idée que j'ai retenue et qui me semble la plus pratique. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà utilisée pour des petites créations. Alors, ça, d'abord, je les ai toujours à portée de main. Ils sont derrière mon bureau debout. Donc, je les ai vraiment à portée de main. Je n'ai pas fouillé dans un tiroir pour les chercher. Donc, déjà, c'est à vue. C'est quand même bien. J'ai décidé de commencer déjà par me servir de ça, si toutefois, bien sûr, j'étais dans le thème de ma création, avant d'utiliser des collections complètes. Et pour pouvoir faire un roulement en fait hein, de toutes ces petites choses parce que bah, elles sont là pour être utilisées et pas forcément pour être collectionnées. Voilà, que vous dire de plus? Eh bien que pour l'instant je suis contente du résultat. Je pense que je maintiendrai ce genre de choses, mais peut-être que dans l'avenir je les ferai, bah, je vous dis moi-même, donc à mes goûts, avec mes dimensions extérieures, mes dimensions intérieures, fonction de ce que j'ai arrangé. Puis peut-être que je ferai un truc un peu plus joli. Bref, ça on verra. Si jamais je le fais, bien sûr, je vous en reparlerai, je vous ferai peut-être un tuto. En attendant, vous avez vu qu'avec ce qu'on avait à la maison, on pouvait déjà faire des choses sympas et compenser donc ces problèmes de rangement. J'espère que cela vous aura donné des idées, que cela vous aura aidé dans vos rangements. Si vous avez des bonnes idées à me partager, bah, n'hésitez pas parce qu'on est toujours preneur. C'est pas parce qu'on a une chaise, une chaîne YouTube qu'on sait tout, hein. Donc ça peut être intéressant aussi que vous nous partagiez vos idées. En attendant de vous retrouver donc pour une prochaine vidéo. Qui sera enfin une prochaine vidéo outillage, enfin organisation, qui sera la présentation donc des boutons pression que j'utilise dans mes réalisations, des boutons plastiques pression. Donc ça, ce sera une prochaine vidéo, mais entre-temps, vous en aurez peut-être une autre. Bref, on se retrouve bientôt. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao.